Bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle capsule, et bien pour vous donner une petite explication de l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre. Un très très joli oracle. Alors cet oracle, c'est un outil hein, pour développer nos propres capacités. Et il y a plusieurs thèmes dans cet oracle. Il y a notre âme. Dans notre quotidien, n'est-ce pas? On peut être tellement sollicité que l'on n'est plus à l'écoute de soi. Nous ne sommes plus à l'écoute de notre âme. Nous pouvons avoir l'impression de nous déconnecter de nous. Et nous pouvons faire ou vivre des choses qui n'ont plus de sens. Nous ne sommes plus à l'écoute de notre âme. Nous n'écoutons plus notre âme. Et avec cet oracle, eh bien, nous allons avoir le soutien pour nous connecter avec nous-mêmes. Nous avons les guides aussi. Nous avons nos guides. Et nos guides sont là pour nous épauler et nous soutenir, et surtout pour nous protéger. En tous les cas, ils ne sont pas là pour être nos serviteurs, n'est-ce pas? Et ils ne sont pas là non plus pour nous apporter tout ce dont nous avons envie, car nous avons encore le libre arbitre. Et par moment, eh bien, nos envies peuvent être différentes de nos besoins. Nous pouvons aussi avoir l'impression de ne pas voir ou de ne pas comprendre leurs signes. Et avec cet oracle, eh bien, nous pourrons nous connecter avec nos guides. Avec cet oracle, vous pouvez poser des questions, n'est-ce pas? Et vous allez avoir une réponse. Alors, il y a aussi la troisième partie, sont les entités, hein, qu'on appelle, les entités, elles peuvent être directement, eh bien, attachées à nous, que ce soit en lien avec cette vie ici, que nous avons ici sur Terre, ou alors une vie précédente, elles peuvent être attachées aussi à un lieu, à un objet ou à une autre personne. Elle peut aussi être complètement étrangère. Et ces âmes ont parfois besoin de transmettre un message. Donc, ces entités ont besoin de nous transmettre un message. On peut aussi avoir une information. Avec cet oracle, nous pouvons demander et nous pouvons aussi transmettre. En tous les cas, avec cet oracle, nous avons le soutien pour nous connecter avec ces âmes. Eh bien voilà, petite explication, n'est-ce pas, de l'oracle de la voix des âmes. Je vous souhaite une belle journée, à tout bientôt. Beau matin à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver, pour cette nouvelle semaine, deuxième semaine du mois de mai. Nous sommes lundi 8 mai 2023. Comment allez-vous? Bien, j'espère. J'espère aussi que vous avez passé un très joli week-end. Nous allons continuer cette semaine avec l'oracle de la voix des âmes. Message de votre âme, message de vos guides et message de l'entité. Nous terminerons cette capsule avec la guérison des 5 blessures de Lise Bourbeau. Avant de commencer, j'ai le choix de nourrir le positif en moi ou de nourrir le négatif.
le plus fort et celui que je nourrirai le plus. Aujourd'hui, j'ai pigé karma. Nous avons toutes et tous un karma. À différents niveaux, n'est-ce pas, de ce que nous vivons ici sur Terre. Votre âme vient vous dire aujourd'hui, une partie de tes énergies porte le poids de ton karma. Et cela de deux façons différentes. La première, c'est ce que je considère comme des échecs, tout en n'étant pas des échecs parce que on a appris, on apprend de ses erreurs. Hein. Tu sais, je porte en moi des mémoires bloquantes en lien avec nos anciennes vies, en lien avec ce que je n'ai pas réussi à construire ou à dépasser. Je porte aussi en moi toute cette sagesse que nous avons construite et que tu n'utilises pas forcément. Eh bien, aujourd'hui, je t'invite à travailler et à comprendre ton karma. Je t'invite à comprendre qui tu as été, pour comprendre la belle personne que tu es aujourd'hui. Le but n'est pas de te chercher des excuses ou de te cacher derrière ton karma, n'est-ce pas? Le but est de prendre conscience de ton pouvoir intérieur, de prendre conscience des défis et des objectifs que tu as pour cette vie ici. Alors, avec la méthode de ton choix, n'est-ce pas? Connecte-toi à ton karma. Regarde. Regarde qui nous avons été pour être dans une nouvelle avancée et dans une transformation intérieure. Tes guides te disent, tu es dans une énergie où tu es invité eux, à construire quelque chose de très important. Tu es invité eux, à être dans une nouvelle indépendance et dans une nouvelle liberté. Tu reçois beaucoup de signes en ce sens depuis des années maintenant. Tu as eu une idée quand tu étais très jeune et c'était une envie profonde ou un projet. Tu pouvais même en parler tout le temps et à tout le monde. Et puis, au fur et à mesure du temps, eh bien cette idée s'est éteinte et tu t'es conditionné à ce que tu pensais être le mieux pour toi ou à ce que les autres attendaient de toi. Eh bien, aujourd'hui, tu peux avoir l'impression d'avoir beaucoup de souvenirs du passé. Tu peux, par hasard, retomber sur des photos d'enfance ou sur d'anciens documents. Tu peux avoir des conversations avec des personnes de ta famille qui te reconnectent avec d'anciens souvenirs. Tout cela, ce sont des signes que nous t'envoyons pour que tu puisses te souvenir de ces envies et besoins de création. Ce sont des signes
pour que tu puisses avoir confiance en toi et pour que tu puisses oser. Oser. Concrétise tes rêves. C'est trop beau pour être vrai n'est pas une phrase juste, n'est-ce pas? Si tu le désires au plus profond de toi, alors tu es capable d'offrir le meilleur de toi-même. Et cela, dès maintenant, dès aujourd'hui. L'entité te dit, lors de ma dernière existence, j'ai répété d'anciens schémas, des schémas karmiques. Oui, je n'avais pas forcément conscience de ce karma, alors je pouvais être dans une certaine incompréhension par rapport à tout ce que je vivais. J'avais comme peur de la vie. J'avais peur de ce qu'elle pouvait m'apporter. J'étais comme dans une lutte avec elle. Et cela pouvait se répercuter sur mes relations avec les autres et moi-même. Et même avec toi. Aujourd'hui, eh bien, j'ai conscience de ce karma et j'ai compris le sens de tout ce que j'ai vécu. Je suis dans une plus grande sérénité par rapport à cela. Et je sais que lors de ma prochaine existence terrestre, je ferai les choses d'une façon différente. Tu as pu garder en mémoire la pénibilité de ma vie et tu peux ressentir de l'injustice par rapport à cela. Eh bien, libère-toi de ces émotions et de ces ressentis. Je suis libre maintenant et je te souhaite cette même liberté, cette légèreté. Je n'ai plus de colère, mais je peux ressentir la tienne. Elle n'est pas juste pour toi. Le karma ne se fuit pas. Le karma se comprend pour en faire une force. Waouh, quel beau message, n'est-ce pas? Oh! On termine avec la guérison des 5 blessures et aujourd'hui j'ai pigé une carte d'humiliation. Aujourd'hui, je décide de demander à mes proches d'attirer mon attention sur les occasions où je m'excuse. Je constate que je me sens souvent coupable sans l'être. J'accueille la partie en moi qui cherche à être une bonne personne par ce moyen souffrant. Si j'en suis incapable, j'accepte le fait de me sentir encore responsable du bonheur des autres pour le moment. C'est mon ego qui se sent important ainsi. Je vous souhaite une belle journée. On se retrouve demain. Et d'ici là, portez-vous bien et moi je vous embrasse. À demain.